Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing du samedi. Voilà, cette semaine, je suis désolée, vous le savez, vous avez été privée de vidéo unboxing ce mercredi. Parce que j'avais des petits soucis de douleur avec mon syndrome de glossodynie. J'avais très très mal à la langue. Là, je ne dis pas que je n'ai plus mal. Mais vous entendez, j'arrive à parler, à manger normalement, donc ça va. Alors, comme j'ai dû vous dire dans une précédente vidéo, vous inquiétez pas si de temps en temps vous m'entendez comme ça, mais pour atténuer mes douleurs, je prends des bonbons à la menthe, en plus de mes médicaments. Donc, de temps en temps, ben, ça fait du bruit, j'en suis désolée. C'est Fifi, c'est mon Fifi, c'est mon gros Fifi, c'est ma grosse Fifi qui veut pas, ouais. Allez, alors aujourd'hui, unboxing avec la boutique Her Best Deals. J'espère que je prononce bien. Alors par contre, j'ai rien qui va chez moi. Mais la lumière est trop forte pour moi, donc je baisse un peu. Voilà, c'est mieux. Parce que sinon, j'ai bobo à mes yeux. Oui. Alors, les yeux, c'est pareil. On m'a fait mes lunettes septembre, octobre. Ma vue s'est dégradée en 3 mois. 3-4 mois. Donc là, il faut que je reprenne rendez-vous rapidement. Parce que même quand je conduis, la voiture en face, je n'arrive même pas à lire sa plaque d'immatriculation. Et s'il y a des piétons sur les trottoirs, je les vois tout troubles. Donc en ce moment, quand je suis en voiture, j'ai les pépettes. Donc j'essaye d'être le moins possible à conduire la voiture. Mais bon, mais même pour regarder. Enfin bon, c'est pas le thème de la vidéo. C'est la vieillesse, hein, que voulez-vous. Alors aujourd'hui, il y a Fifi qui veut absolument se montrer. C'est du Diamond Painting. Voilà. Donc, je disais donc avec la boutique Her Best Deals. Voilà. Alors, j'ai choisi les articles le 9 janvier et je les ai reçus le 26 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Voilà. Vous savez tout. J'ai choisi un petit accessoire et 2 Diamond Painting. Un grand, un petit. Enfin, un petit, un moyen. Je vais d'abord vous montrer, avant de me mettre face bureau, je vais d'abord, je mets tout face bureau, ce sera beaucoup mieux. On se met face bureau et je vous montre tout ça en détail. Alors, premier accessoire, un stylet. Alors, voilà. Alors, ce stylet va aller à Chouchou, parce qu'il m'avait demandé un nouveau stylet. Donc, ce sera pour lui. Allez, sors. Sors. Bon. Ça commence bien. Voilà. Alors, le voici. Alors, il est très, très léger. Hein. Alors, vous avez possibilité de mettre de chaque côté des placeurs. Donc là, placeur unique. Ici, celui qu'ils ont déjà mis. Alors, est-ce qu'ils ont mis les numéros? Non. Mais c'est un placeur de... Ouais, ça doit être 6, celui-là. Ensuite, vous avez un placeur de 3. Un placeur de 9. C'est 9 ou 10. Et vous avez la petite raclette... qui vous permet de remettre bien droit vos perles dans les deux sens, comme ceci. Voilà. Alors, ce petit stylet tout mignon. Alors, il existe en plusieurs couleurs. Hein. Là, ce Chouchou lui a choisi du bleu. Mais ça existe en plusieurs couleurs. Ah, j'ai l'alarme de mon téléphone qui se met en route. C'est l'alarme pour connaître la température qu'il fait à midi pour ma couverture météo. est à 6,07 $. Voilà, il est super joli. Deuxième article,
Donc j'ai déjà déballé, c'est un DP. Donc c'est un DP qui fait 40-30 ou 30-40, vous prenez en sens que vous voulez, avec des perles rondes. Donc on a comme d'habitude le petit toolkit, les perles. Alors de mémoire, si je ne me trompe pas, oui, on a 22 couleurs. Alors, désolé, ça j'ai oublié de le déballer. Et je vous montre tout de suite les couleurs. Voilà. Ah, alors. Ça y est, il va commencer à flouter. Ah, voilà. C'est du noir. Des jolies couleurs, un peu neutres mais très belles. Voilà. Alors, de jolies couleurs comme ceci pour... Tadam, tadam! Une Gorgus. Voilà. Alors, une petite Gorgus avec des petites souris. Voilà. Une petite luge, des sapins. Donc, c'est un peu l'hiver, là, hein, on va dire. Donc très belle. Donc vous retrouvez la référence du DP ici et la référence vous la retrouvez sur les sachets de perles également. Vous avez les symboles et les références en haut à gauche, en bas à droite. Et je vais vous montrer les symboles, donc des lettres majuscules. Voilà. Donc vous avez les références DMC ici, les symboles et les numéros qu'il y a sur les sachets. Niveau impression, ben je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Hop. Attendez. Allez. Ah, voilà. Voyez, même quand c'est imprimé en blanc, on voit très très bien. Et niveau colle, ça colle. Alors, ce petit DP 30-40 en perles rondes représentant une Gorgus, il est au prix de 4,63 $. Troisième et dernier article, donc un DP. C'est un DP qui fait 50 sur 40 cm et c'est également des perles rondes. Et vous avez 24 couleurs. Le petit toolkit, hein, comme d'habitude. Et les perles. Alors, j'ai oublié de les déballer aussi. Hop là. Oh, il va y avoir du noir. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, là, il y a deux perles noires qui se sont perdues, hein, mais c'est pas grave. Alors, un noir. Alors, c'est bien noir, hein? Oui. Un noir. Deux noirs. Trois noirs. 4 noirs. Un bleu marine. Joli celui-là.
joli orange. Et on a de belles couleurs. Voilà. Alors, tadam, qu'est-ce que ça peut être? Ah, vous avez déjà un petit aperçu. Mickey et ses copains. Voilà. Alors, vous avez Dingo, Pluto, Daisy, Donald, Mickey et Minnie. Voilà, toute la petite famille est là. Alors, il a été choisi par Chouchou. Hein. Mais il est super beau. Et je crois qu'il va donner un bon résultat. Il sera très beau. Alors, vous avez la référence ici. Et vous retrouvez, bien sûr, la référence. Voilà, sur le... sur les sachets. Alors, niveau impression, bah, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de problème, hein, comme d'habitude. Vous voyez, niveau colle, ça va. Vous voyez, c'est nickel. Il n'y a pas de confetti. Hein, c'est un DP qui va être facile à faire. Bon, je remets très bien après. Voilà, je fais des bêtises. Voilà pourquoi il faut toujours faire attention. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, ça. Mais pour les nouveaux de la chaîne qui ne le savent pas, ce genre de papier... Alors, vous voyez ce côté-là? Hop, ça colle. Il n'y a pas de problème. On va faire l'expérience. On va coller ce côté-là. N'inquiétez pas, hein, je ne vais pas abîmer mon kit. Et voilà. Et là, regardez. Regardez la difficulté que j'ai pour l'enlever. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, j'ai réussi. Donc, faites, quand vous enlevez votre plastique, alors, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous mettez un petit scotch là, sur le dessus. Et comme ça, vous savez que c'est le dessus, c'est dessus. Il ne faut pas le coller sur le kit. Soit vous l'enlevez complètement et vous mettez du papier sulfurisé, le papier cuisson. C'est très très bien. Nous, c'est ce qu'on préfère. Voilà, vous voyez, et puis j'ai de la colle qui est restée sur le plastique. Donc voilà. Soit vous mettez un petit post-it, un petit ou un bout de washi, par exemple, et vous savez que là où il y a le washi, eh bien, c'est le côté qu'il faut toujours laisser en haut. Sinon, je vous dis, bah, vous enlevez le papier, vous le jetez, et vous mettez du papier sulfurisé dessus, c'est la meilleure des solutions. Voilà. Parce que vous avez vu, il y a un côté... Si vous ne le mettez pas dans le bon sens, ben vous galérez pour le retirer. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a sûrement quelque chose sur le plastique qui... comment? Ce côté-là, il va tout seul. Mais, voilà. Bon. On ne sait pas tout, hein, mais... Voilà. Hop! Donc, voilà! Alors, ce petit kit, il est à 7,41 $. Voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais je vous remets les photos, ce sera beaucoup mieux. Le kit Mickey et ses amis, la Gorgus et le petit stylet. Je remercie beaucoup la boutique Urbesdeal. Je suis très heureuse de présenter des articles de chez eux. Ça fait 2-3 fois, je crois, maintenant. Et ben écoutez, la qualité est là, le prix est là,
Tout est là, donc n'hésitez pas à aller voir leur boutique. Je ne sais plus si j'ai un code promo, mais comme vous savez d'habitude, si j'en ai un, je vous l'incruste dans la vidéo et je vous le mets également en barre d'infos. Je vais vérifier. N'hésitez pas à me dire si les kits que je vous ai présentés vous plaisent, si ça vous donne envie de les acheter, si vous les avez déjà, si vous les avez déjà fait, dites-moi tout. Vous savez que j'aime bien tout savoir. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.